On termine notre semaine autour des recettes de bredel de Noël avec Audrey. Bonjour Audrey. Salut Nadia, bonjour à tous. Alors on fait des petits gâteaux à l'anis, j'avoue que ce ne sont pas mes préférés. Mais je sais que mon père aime bien. Ben voilà, ça doit être la génération là. Ouais, c'est ça en fait. Alors pour les faire, il vous faudra 250 g de sucre, 3 œufs, 300 g de farine et 20 g d'anis. Alors tu fouettes les œufs et le sucre ensemble pendant 20 minutes. Tu y ajoutes l'anis puis la farine tamisée. Avec une poche à douille, tu mets des petits tas sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et tu laisses reposer quelques heures. Tu fais cuire à 150 degrés une quinzaine de minutes et tu regardes quand même de temps en temps parce qu'il faut que tu sortes la plaque du four avant que les gâteaux ne brunissent. Ah bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Merci beaucoup pour toutes ces recettes. T'as combien de biscuits de Noël déjà que tu as fait ? Alors j'ai fait 4 sortes. 4 sortes ? Voilà. Oh là, il faut que je m'y mette moi. Je suis en retard là sur mes biscuits non, de Noël. Non, t'es pas en retard. Oh bah il y en a beaucoup qui les ont déjà finis hein. Ah non ben moi j'ai à peine commencé, 4 sortes c'est pas beaucoup. Bon bah écoute Audrey, continue tes biscuits de Noël, on se retrouve très prochainement à nouveau pour des recettes. À bientôt.